Yo, épisode 3 de Transformer 20 euros en 4000 euros saison 2. Tu vas voir, cet épisode est une dinguerie. Franchement, des paires incroyables, des vêtements incroyables et moi ça me régale. Si tu kiffes la série, n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire, abonne-toi. Vous êtes plus de 70% à pas être abonné et ça me régalerait que certains s'abonnent. Franchement, ça fait énormément plaisir et ça donne de la force de fou. Bref, je vais pas plus parler. Si vous voulez voir les épisodes précédents, je les mets dans la barre de vie juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir commencer dès le départ, voir d'où on a commencé. Un simple billet de 20 euros et aujourd'hui, franchement, on est très 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 bien et ça régale. Bref, on y va direct. Let's go! Les gars, je me rapproche pour vous parler d'un truc de fou, giga concours avec que des cracks sur Instagram. Il y a Purple Goose, Edgar, Upsell 2.0, One Cook Lab et moi-même. On offre une paire de zinzin ainsi que 100 euros de valeur dans mon stock. Le concours est sur Instagram. Pour participer, t'as juste à suivre les instructions. En vrai, c'est vraiment facile, c'est comme tous les concours. Bref, si tu veux participer, n'hésite pas, je mets le lien en description. Et puis voilà, l'équipe, bonne chance à tous et j'espère que c'est un de vous qui va gagner. Big question pour vous la team, je sors une vidéo dimanche pour fêter les 5K, dites-moi en commentaire, vous pensez que ça va être quelle vidéo? Franchement, vous me l'avez énormément demandé, ça va vous faire ultra plaisir je pense, je vous ai au moins une centaine à me l'avoir demandé. J'en avais parlé il y a quelques temps, si tu sais, vas-y balance en commentaire, je te répondrai, je te dirai si c'est ça ou pas, mais en tout cas ça sort dimanche 10h, donc soyez au rendez-vous parce que je pense que vous allez kiffer. Pour les ventes, j'ai pas été très efficace, j'étais en déplacement et j'avoue, je me suis zéro focus dessus. Ça va être l'objectif de la semaine prochaine, mais vous allez voir, j'ai un petit cheat code pour ça. Bref, on a vendu 3 paires de Veja pour 80, 90 et 100 euros. On a fait des petits bénéfices, c'était pas incroyable, mais au moins on a libéré du cash. Et maintenant, on atteint un solde de 334,73 euros, qui est beaucoup mieux pour acheter, sachant ce qu'on a fait cette semaine, les gars. Mais vous allez voir les paires qu'on a récup et les vêtements, c'est une dinguerie. Bref, on passe aux outlets et après on arrivera aux achats. Les achats, les gars, c'est pépite. On se retrouve sur mon PC, l'équipe, on est tout simplement sur Vins parce que je voulais vous présenter un truc qui me permet de vendre beaucoup plus rapidement et c'est pas de la com, c'est pas du marketing, tout ça. Je suis pas payé pour le dire, je suis payé que si vous prenez un abonnement et le premier mois est gratuit, donc vous êtes vraiment pas obligé de prendre d'abonnement. Utilisez juste intelligemment votre premier mois. Mais concrètement, c'est une application que vous pouvez déjà aller sur le Chrome Store. Et ce que ça va vous permettre, il y a pas mal de fonctionnalités. Moi perso, il n'y en a qu'une vraiment qui m'est super utile. C'est message aux faves, je vais vous faire une démo maintenant et vous allez voir à quel point c'est puissant. Donc je me rends sur Vinted, là c'est mon compte Vinted, forcément je le cache parce que j'ai pas envie de faire bannir ni sauter mon compte. Vous allez voir en bas qu'il y a un petit carré qui est apparu, normalement vous allez être sur l'accueil. Moi je me mets direct dans message aux faves, donc une fois que vous avez ça, vous avez juste à faire un petit texte si vous en voulez un ou pas. Moi j'ai écrit un truc à la con, bonjour, j'ai vu que l'article vous intéressait. Je souhaite m'en séparer rapidement, je peux baisser mon prix, excellente journée à vous. Donc voilà, efficace, simple. Ensuite, voilà, je dis que je veux envoyer un message aux faves, etc. Nanani, nanana. Je leur fais une remise de 10%, comme ça leur donne encore plus envie d'acheter. Donc là, je vais faire activer message aux faves et ça va les envoyer automatiquement à toutes les personnes qui ont ajouté aux favoris depuis la dernière fois. Donc vous allez voir, donc là, j'ai un petit truc qui s'apparaît à l'écran qui explique comment fonctionne message aux faves. Je clique sur OK. Et du coup là ça va scanner tous les favoris qui ont été faits sur mon compte. Et une fois que c'est scanné, ça va tout simplement envoyer le message. Donc là on peut voir qu'il y a eu 20 favoris depuis la dernière fois que je l'ai fait. Ou alors récemment. Et du coup ça va envoyer à ces 20 favoris là. Donc là il faut attendre, voilà. Donc lecture de l'historique. Donc première phase, ça lit les personnes qui ont mis en favori. Ensuite ça envoie. Et en fait il y a une troisième phase, ce qui est aussi intéressant, que moi personnellement je désactive parce que c'est un peu hardcore, mais ça le fait. Genre, dès que quelqu'un ajoute au favori, si vous laissez activer, ça va lui envoyer un message instantanément. Donc ça veut dire qu'imaginons, quelqu'un clique sur votre produit, le kiffe, l'ajoute au favori, elle reçoit un message dès qu'elle clique sur le petit cœur, qui lui dit voilà, écoutez, je vais m'en débarrasser rapidement, je vous le vends avec 10% de réduction, etc. Donc ça peut être intéressant, perso je le fais pas, c'est à méditer. Plus t'as un gros dressing, plus ça va être intéressant et pertinent d'utiliser Vins. Faut savoir qu'il y a différents abonnements, personnellement moi je vous recommande celui à 12,80 quelque chose. Parce que celui-là, il n'y a pas un message aux faves qui est pour moi la meilleure option. Après, à vous de voir. Mais plus vous avez un gros dressing, plus ça va être intéressant. Parce que envoyer des messages à la main à chaque personne, si vous recevez 200 favoris par jour, c'est impossible. Là, vous avez juste à cliquer le soir, franchement, vers 18h, 19h sur un bouton. Ça envoie à tout le monde. Tout le monde est sur son Vinted vers cette heure-là. Ça part vraiment comme des petits pains, des Veja, j'en ai vendu tellement avec ça. Je l'arrête. On va actualiser la page. Et vous allez voir que des messages, il va y en avoir beaucoup. Donc là j'ai 16 messages simplement parce que les messages qu'ils ont envoyés sont pas lus. Du coup il faut les ouvrir à la main, c'est un peu chiant.
Mais à part ça, j'ai rien à reprocher. Je vais pas cliquer dessus parce que je vais pas montrer tous les messages. Quoique, je peux vous en montrer un. Fébélec, je vous en montre un. Donc, par exemple, celui-ci. Voilà, donc là, je dis que je vais m'en séparer. Je lui propose une réduction 99€ au lieu de 110. Plutôt intéressant, pourquoi pas. Et il y a grande chance que une des acheteuses soit prenne à 99, soit me fasse une offre du coup à 90 ou 95, ce qui peut être vraiment très très cool et me faire un bon billet. Je vous recap les outlets. On commence direct avec du online sur Best Secret. Il y avait cette paire de TN qui passait à 119€ au lieu de 170. Donc ça c'était plutôt pas mal, sachant que le colorway était vraiment cool. Ensuite sur Zalando privé, on a eu du Carhartt, ce sweat très très cool qui passait à 37€ au lieu de 90. Il y avait également le même en gris, plutôt sympa. Ensuite, je me suis rendu en Nike Factory à Roubaix et à V2. Donc, grosse dinguerie, Roubaix, il y a eu vraiment pas mal de paires. Notamment, vous pouvez voir ici, de la Air Max One Concept en taille PS. Donc ça, j'étais vraiment très très content, sachant que la paire est vraiment très très cool. Ensuite, Jacob, une petite paire de blazers plutôt sympa, une deuxième paire de blazers. En outlet, il y a eu également de la 90, elles étaient un peu chères, 70 balles, j'ai passé, mais c'était plutôt cool. Ensuite, je me suis fait plaisir sur du vêtement, donc il y a pas mal de sweat Nike, un jogging. À des prix très très intéressants, un peu moins de 20 balles le sweat. Je vais sûrement m'en prendre pour la série, mais en tout cas c'était des vrais bons prix. Ensuite, il y a eu pas mal de paires, notamment de la Air Force One et de la Dunk. Ça va revenir après, vous allez voir. Sur showroom privé, il y avait de la Forum Low à pas trop cher, 39,90€. C'est plutôt pas mal, même si le colorway est pas fou. Ensuite, il y avait celle-ci à 32,90€. Vraiment intéressant, mais colorway toujours pas fou. Et le meilleur pour la fin, ce colorway iridescent, qui était à 35,90€ en junior, mais il restait du 38, ce qui est vraiment très très intéressant et la paire est vraiment très très cool. Finalement, sur Sneakers District, pour 50€, il y avait de la Air Force One, très très cool, vrai bon plan. Ensuite, en Adidas Outlet, en Suisse, il y avait de la Adidas Bad Bunny, une dinguerie, elle est passée à 126 francs suisses, ce qui fait à peu près 126€ maintenant, et ça se revente comme des petits pains, dinguerie, j'aurais trop aimé en cop, la paire est vraiment cool, mais franchement, ultra cool de voir ça en factory. Et enfin, le bon plan du matin, petite veste Lacoste classique à 73,50€ au lieu de 200, il y a un petit bénéf à faire, ça régale. On va commencer par les paires que j'ai récupérées, donc déjà, il y a ces Jordan 1 Low, franchement dinguerie, OG Box. Moi perso, les box sont arrivés en parfait état. Je sais qu'il y en a qui ont mis des box sandwich, les frérot. Les box sont arrivés pliés en deux. Force à vous, moi tout est nickel. On s'ouvre ça tout de suite. Donc les gars, tac, on a le petit papier pour dire bah, que c'est du Nike Golf. Ensuite, je vous présente la paire. Franchement, elle est pépite. Donc là, voici, la voilà, paire de Jordan 1 Low Backboard Shattered Golf. Donc il n'y a pas de grosse diff avec une paire classique de Jordan 1 Low. Si ce n'est la semelle qui est crantée pour le golf à skip. Et l'étiquette qui est juste écrit ici avec le logo Jordan et Golf en dessous. Sinon, c'est vraiment similaire. Le colorway est très très cool. Le swoosh, il est en cuir verni, enfin simili cuir verni. C'est très très sympa. Les paires, quoi, je les ai payées 65€ l'unité. Et j'en ai 6. Donc ça, ça va faire du gros billet. Et c'était vraiment très très intéressant comme promo. Si vous voulez savoir où est-ce que je les ai trouvés, je vous affiche le lien de la dernière vidéo juste ici. Où je vous montre où je les ai achetés, à quel prix, etc. Enfin bref. 100% legit, 100% incroyable et big bénéf sur ça, big bénéf. On passe à une deuxième paire incroyable. Franchement, quand je l'ai chopé, j'étais refait, je l'ai payé 60€. La paire est Facto Box, je vous la présente tout de suite. Franchement, vraie dinguerie. Je pensais pas que j'allais trouver ça en outlet. On est sur une paire de Nike Dunk Low Reverse Panda. Donc très très cool. Je l'ai payé seulement 60€, donc vraiment super super cool. En 44,5, ça va super bien partir. La paire a des petits défauts, voilà, c'est pour ça qu'elle était en outlet. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, à l'intérieur, ici c'est un peu taché, mais bon, bref, en vrai c'est léger, genre c'est l'intérieur de la semelle qui est taché. Fébélec, mais en tout cas, 44,5, la paire est nickel et t'as vraiment rien à reprocher en dessous de la semelle, si ce n'est juste les petites taches ici sur un seul pied. Donc pour 60 balles, ça régale. Franchement, je vais pas vous mentir, quand je l'ai chopé, j'étais refait, ça m'a fait, tu sais, genre, ça faisait longtemps qu'en outlet, j'avais pas trouvé des dingueries pareilles. Donc ça, ça m'a vraiment régalé, bête de paire. Et sur ça, on va faire, je pense, 1x2. La vendre à 120, c'est pas déconnant et ça va être plutôt simple. Donc on va essayer de la vendre à 120 sur Vinted. Et si ça part pas, bah écoutez, on la vendra un peu moins cher. Mais en tout cas, le x2 est large possible sur cette bête de paire. Dernière paire et pas des moindres, c'est de la Air Max 90. Celle-ci, on les a eues il y a très longtemps. Donc le shipping, il a pris à peu près 2 mois. Si vous voulez savoir où je les ai achetées, il faut remonter dans les épisodes précédents. Mais voilà, le shipping a pris vraiment très très longtemps. Cette série, c'est vraiment dû accélérer, c'est-à-dire que je peux me les racheter maintenant. Mais théoriquement, si t'as pas de trésorerie, tu peux pas faire ce que j'ai fait parce que
bah, le shipping, attendre 2 mois, c'est super long. Donc bref, Air Max 90, une paire incroyable. Payé 85€ il me semble, ça part sur StockX aux alentours des 150€ et sur Vinted c'est la même. La paire est vraiment très très cool en même temps. C'est pas une 90 classique, j'ai oublié son blaze, mais elle est vraiment quali, vraiment hyper cool. J'ai plusieurs tailles, là c'est une petite taille, c'est du 40, mais sinon j'ai du 44 et tout. Bref, 90 black, néon un peu, avec l'arrière jaune, le semelle jaune, tac, l'intérieur de la bulle jaune. Et avec surtout un petit swoosh à l'avant de la paire juste ici qui change tout et qui donne un style incroyable. Donc c'est pareil CDS, du coup je ne me rachète qu'une seule pour la série parce qu'au moment on n'avait plus trop de thunes. Mais pour 85 balles, je vais la faire partir tranquillement pour 135 dans le pire des cas je pense. Et 150-170 si on trouve la bonne personne. Mais Air Max 90 colorway incroyable. Les gars, franchement les 3 paires qu'on a pour le prix auquel on les a touchées. Dinguerie, moi perso je suis refait. On passe aux vêtements, franchement les vêtements c'est du classique. Déjà sweat jaune que j'ai cop en facto pour 20€ avec le petit swoosh blanc ici. Ça régale, 20 balles, ça va partir pour 40€ dans le pire des cas, je le fasse sell à 35. Mais ça c'est un billet sûr. Ensuite on a son collègue en marron, marron très très cool. Faut savoir que les tailles c'est du SM, donc franchement ça va partir super bien. En marron j'en prends 2. Donc c'est pareil, ça va faire un x2 super simple, super facilement. On continue avec un nouveau collègue, du Sweet Fam Nike à capuche. Celui-là, je l'ai payé 21€ il me semble, je vais faire partir à 45. On va faire x2 aussi, très très cool, classique, taille SM. Et on finit avec la dinguerie. Franchement, ça c'est vraiment la dinguerie, j'en ai plusieurs, mais pour la série, j'en prends qu'une. C'est une doudoune Lacoste sans manche avec un effet velvet dessus, bleu et verte. L'intérieur est jaune, bon l'intérieur on s'en fout. Mais l'extérieur est incroyable, c'est une dinguerie cette veste. Je l'ai payé 65€, je sais plus quand est-ce que je les ai achetés, mais c'est pareil, la livraison a pris 1 mois. Et dinguerie, ça va partir aux alentours des 150-170€, ça va dépendre du client. Et voilà, mais franchement, bête de veste et incroyable, incroyable. Donc tout ça, plus les paires, l'équipe, je peux vous dire que notre solde, il descend très très bas. Mais les ventes qu'on va faire vont être incroyables et c'est ce qui va nous régaler. Je vous récap vite fait nos dépenses. On a dépensé 60€ dans la paire de Dunk. On a dépensé 65€ dans la doudoune Lacoste. On a dépensé 85€ dans la paire d'Air Max. Ce qui fait passer notre solde de 334,73€ à 124,73€. Encore ça va, on a encore une centaine d'euros. Mais vous allez voir, moins le reste, ça va devenir une galère. On achète 2 sweats marrons pour 40€, 1 sweat jaune pour 20€ et 2 sweats à capuche pour 40€. Il nous reste donc un solde final pour cet épisode de 24,73€. C'est la hesse. Il va falloir qu'on vende rapidement et en quantité, sinon ça va être une catastrophe la semaine prochaine. Bref, moi je suis serein, je sais que nos produits sont quali, je sais que ça va se vendre. Je vous affiche à l'écran notre stock de fin qui est devenu beaucoup trop conséquent pour que je le récapitule complètement. Mais en gros, on a plein de produits, du Ralph Lauren, du Nike, du New Balance, du Veja, du Levi's, enfin bref, on en a pour tous les goûts. Bon l'équipe, c'est déjà l'heure du récap de fin, l'épisode est plutôt court parce qu'il n'y a pas eu énormément de ventes. Mais en vrai, les achats ont largement compensé, on va se mettre très très bien. La semaine prochaine, j'accentue les ventes. Merci à Vince qui supporte la série et qui me permet de vendre beaucoup plus rapidement. Le lien est en description. Sachez qu'il y a 1 mois gratuit, utilisez-le au bon moment parce que cette appli c'est vraiment vraiment bénéf pour vendre beaucoup plus rapidement. Et vous avez 10% grâce au lien en dessous sur votre premier mois si vous décidez de prendre un mois premium. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire l'équipe. Si vous avez kiffé l'épisode, comme d'hab, pouce bleu, commentaire, like, abonne-toi. Fais tout ça, ça me régalerait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la série. Bon courage pour les cours, pour le taf. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.